Le meilleur des programmes chrétiens, madame, monsieur, c'est sur la glorification. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Une vie, une expérience. Une vie, une expérience de ce jour reçoit une dame. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, on se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. Moi, c'est Marie Lissom. Je suis née dans une famille très, très, très modeste. J'ai grandi avec une maman. La maman nous a élevés seuls. Déjà dans le ventre de maman, 6 mois, j'ai perdu mon papa. Et à 9 ans, je perds maman aussi. Et déjà, avant ça, j'ai le privilège de croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons une fois à une campagne d'évangélisation. À l'époque, c'était à Obélich, papa Jacques Faumont, le grand homme de Dieu, papa Jacques Faumont, qui est décédé maintenant. Et je reçois mon baptême et je continue avec le Seigneur. Voilà, donc juste après, maman décède et je vais habiter avec ma grand-mère, avec mes grands-parents. Mais là, c'était vraiment, vraiment pas facile. Parce que déjà, la grand-mère qui dit « j'ai pas besoin des églises, de ce genre d'église chez moi, allez, tu retournes à l'origine, à tes origines et tout, religieuse et tout. » Donc, je me suis soumise parce qu'en même temps, c'est elle qui s'occupait de moi à l'époque. Et c'est comme ça que je rencontre des amis, des jeunes filles vraiment déjà… Dans l'ambiance, dans le jeu de la vie. Et je décale un peu, je me mets à sauter les murs dans la nuit pour aller dans des petites kermesses ou des petites fêtes. J'ai une expérience. Je pense que Dieu utilise une toute petite expérience pour me ramener à lui. Parce que j'étais déjà un peu... Je faisais déjà le Sunday School avant. L'école du dimanche, des jeunes et tout, et je bénis le Seigneur, j'encourage même les parents à toujours amener leurs enfants à écouter la parole de Dieu. Parce que même quand on croit qu'ils n'écoutent pas, les années à venir, ces paroles subconscientes ramènera tout cela. Et ce sera une bonne éducation pour eux dans la vie de tous les jours et dans leur intimité avec Dieu. À l'époque, je faisais Sunday School, j'ai arrêté. Et étant jeune, j'avais ressenti cette atmosphère de Dieu quand même. C'est maintenant que je comprends que la main de Dieu était déjà sur moi. Mais je rencontre un jeune homme qui était notre voisin et qui je croyais avoir, ayant grandi avec lui, on se dit les petits amis, voilà, et on allait grandir ensemble, peut-être ça allait être quelque chose de sérieux. Bon, là, sans expérience de qui est l'homme ou de couple ou de ceci, je tombe dans un piège où, gloire à Dieu, je ne suis pas trop entrée dans le sexe et tout, mais j'ai eu très mal. Quand un jour, j'entre dans sa chambre, je rencontre une autre fille et j'avais l'impression qu'il me disait juste bonjour, comme si c'est lui seul que je rencontrais dans sa chambre. Alors qu'il venait de faire l'amour avec une fille, elle était nue dans sa chambre et il me parlait comme si j'étais sa sœur qui passait. Et j'ai eu très très mal. Dieu avait utilisé cette expérience pour me montrer que waouh, j'ai eu l'impression que en vrai, je n'appartenais pas à ce monde. J'appartenais à un monde où les gens sont fidèles, fidèles à Dieu. On se marie avant de faire le sexe et on est fidèle par la puissance de Dieu et par la sainteté que le Saint-Esprit met en nous. Donc, j'ai eu très, très mal. Je suis rentrée, je me suis mise à pleurer. Et déjà, c'était venu trouver beaucoup d'autres choses. La mort de la maman, la petite persécution à la maison, chez la grand-mère. Ou des fois, je demandais... des fois, quand je demandais un peu de sous, ma grand-mère me disait « Mais bon, débrouille-toi comme les autres filles. » Et tout, bon, je pense que c'était ça. Son peu de connaissance de Dieu n'était pas méchante. Elle n'avait pas beaucoup.
donc à comment recommencer à s'occuper de ses petits fils comme ça. Je vois là, en passant, nous sommes trois filles, j'étais l'aînée. Et donc c'était un peu ça. Mais avec le temps et avec cette expérience, j'ai dit à Dieu, je reviens. C'est cette expérience qui m'a fait revenir. Oui, j'ai dit, subitement j'ai pris conscience que j'avais commencé avec un monde paisible, avec un monde de paix, toute jeune, hein, avec un monde de paix, et l'autre monde ne me ressemblait pas. Non, non. De l'autre côté, on vit bien, les gens sont joyeux et les gens craignent Dieu, respectent, honorent Dieu. Et de l'autre côté, c'est la débandade. Je n'avais pas trop grandi dans cette atmosphère. Donc, par cet esprit, Dieu me ramène, je reviens. Et je commence à aller à l'église. J'allais à l'église en cachette. Donc au lieu plutôt d'aller à l'église d'origine, je me suis mise à aller à l'assemblée en Colmessin. Mais on croyait souvent que j'allais de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Après, de l'autre côté, il y a ce don de musique que je commence aussi à découvrir. Déjà, je ne savais pas que je chantais et tout, mais j'aimais beaucoup la musique et tout. Déjà, comme j'ai dit, je suis artiste gospel. Je découvre par les kermesses, je fais les kermesses, je fais les petites fêtes où j'interprète, je joue la danseuse, je dansais aussi et tout. Et avec le temps, je suis entrée dans un groupe de jeunes. Là, je suis au collège. Au collège déjà, au lycée de Ngouaïkélé, lycée technique, où j'entre, je connais un groupe de jeunes enfants de Dieu. On communie, je crois, le mercredi, deux jours par semaine, ou un jour, je ne me rappelle plus, et on se regroupe. Et c'est comme ça que je rencontre une amie qui avait concert dans son église. Donc c'est comme ça que j'ai eu à rencontrer Maman Dingaska dans la chorale Royal Voice. Voilà, et je suis entrée à la chorale, là c'était en 99. Là j'entre déjà au travers d'un grand séminaire, un camp meeting, voilà, au Living Word Fellowship. Cette période du lycée et mes 9 ans, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu plein d'expériences. J'ai grandi avec les blessures. Je pense que je n'avais pas géré le fait que Dieu prenne ma maman, parce que c'est elle qui faisait presque tout pour nous. Et avec tout ce qui s'est encore enchaîné comme problème, je pense que j'en voulais. Et de l'autre côté, j'avais des blessures. Dieu, par la grâce de Dieu, m'a guéri. Oui, les blessures de l'enfance par rapport à ma maman, je peux dire. Et ma maman était infirme. Et c'était aussi une femme qui s'était sentie rejetée par la société, d'où a développé l'amertume et l'aigreur. Ce qui veut dire que chaque fois, je peux dire que j'étais le punching ball. J'étais la personne qui récupérait tout ce qu'on lui faisait dehors, ou ses blessures et tout ça, et elle était vraiment violente. Donc j'ai grandi dans ça, où j'ai presque été dans un traumatisme. Après j'ai eu un choc, j'ai eu la paralysie des membres inférieurs, où je roulais sur chaise roulante carrément pendant des mois, des années. C'est ma grand-mère qui venait, voilà, je ne sentais pas mes pieds. Et c'est plutôt elle, pendant qu'elle massait, qui avait les ampoules. On a tout fait, massage et tout. J'étais à l'hôpital, les gens entraient, ils ressortaient. Et un jour, j'ai fait une prière par rapport à mon passé, la petite prière que je connaissais de Dieu. Je lui ai dit, tu me guéris, je vais te servir tous les jours de ma vie. Le Seigneur a écouté ma prière, il a envoyé, il a permis que les femmes intercesseuses viennent me voir. Donc il a dépêché ces femmes. Il y a une maman qui me connaissait très petite, après j'ai disparu après la mort de la maman, mais à qui Dieu avait remis en esprit mon image. Et là, à cette période où j'avais fait la prière, elles étaient loin de Yaoundé, dans l'intercession. Dieu met ça dans son cœur, elles me cherchent, elles reviennent à l'église, chez la grand-mère.
On trouve la maison, on dit que je suis à l'hôpital, elles viennent à l'hôpital, elles ont commencé à prendre des jours de prière, des jeûnes pour moi, et disant c'est Dieu qui nous envoie. Et Dieu avait parlé de moi, mais elles ne savaient pas dans quel état j'étais. Donc après des jours de jeûne et prière, où elles m'encerclaient comme ça, elles priaient à l'hôpital, j'ai commencé à bouger les pieds. Mais c'est après que je me suis rendu compte que c'était une affaire spirituelle. Parce que lorsque je descendais dans cette paralysie, j'avais presque eu les mêmes symptômes que la veille de la mort de ma maman, où j'ai même eu à faire pipi par sonde des mois. Mais après un temps, on a demandé que pour que mon corps ne s'habitue pas à ça, que je continue pas. Et là, les pieds étaient carrément paralysés. C'est après que les prières et tout, Dieu a écouté mon cœur, elles viennent et prient, je recommence à bouger les pieds. Le lendemain, deux ou trois jours, après peut-être leur semaine de jeûne et prière sur mon cas, la semaine qui suivait, je recommence à bouger les orteils, les pieds. Même, vous savez, j'ai déjà eu l'impression que le ciel s'était ouvert. Tout ce qui avait été bloqué, Dieu m'a choisi les nouveaux, les meilleurs médecins. À l'époque, il y avait de passage un docteur qui s'occupait des lions. Du basket ou du hand, je ne sais plus, professionnel, et qui vivait, je pense, au Maroc, je ne sais plus. Mais il est venu spécialement à l'hôpital, cette période-là. Et je pense que c'est Dieu qui l'avait amené, parce qu'il s'est concentré sur mon cas, il s'est occupé de moi comme si j'étais son enfant. Et Dieu a ramené une jeune dame qui était médecin aussi, qui venait fraîchement de finir son école en France, et c'est comme ça que Dieu m'a envoyé. La rééducation a commencé, les prières ont continué, Dieu a guéri, il a fait le miracle. Je suis debout, je saute tous les jours et j'ai servi le Seigneur. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure j'avançais, je guérissais sans savoir. Je me rendais, il y a même des fois, pas plus tard que certaines années auparavant, là, je suis là comme ça, même étant assise, là, je peux te dire, le pied gauche n'est pas totalement guéri. Il y a deux fois, je ne sens même pas l'eau chaude, mais je marche. Il y a deux fois, je ne ressens même, mais je marche. Une fois, j'ai dit à Dieu, j'ai mal, je suis fatiguée de ce mal. Il m'a dit, mais tu es en train de marcher. Je ne t'ai même pas rendu compte, depuis ces années, que tu es en train de marcher, malgré que tu ne ressens pas tes pieds. Ce qui ne se fait pas, ce qui est impossible devant les hommes. Et je me rappelle une fois, j'ai eu une expérience avec ma bayouresse, qui était une femme qui pratiquait beaucoup et qui était dans les trucs spirituels, rituels et tout ça. Oh, des nuits, je me rappelle une nuit, je dormais, je m'éteins la lumière, donc entre mon lit et l'interrupteur, il y a tout un espace. Mais ce jour-là, dans le sommeil, il y a un sifflement de serpent qui me réveille. Je ne vois pas le serpent, j'ai senti ce sifflement. Je me suis réveillée brutalement. J'ai dit à Dieu, par la foi, je vais mettre mon pied là. Je vais aller vers l'interrupteur, je vais allumer, je vais voir ce qui se passe. Ce que je sais, c'est qu'il y a une présence ici qui ne vient pas de toi. J'ai fait la même chose, j'ai posé le pied dans le noir, je suis allée ouvrir. Mais après, j'ai continué dans la prière. C'est vrai qu'il y a souvent une petite peur. On n'arrive plus trop à dormir, on dort avec la lumière. J'ai continué à prier, je me suis endormie. Et le matin, elle est venue très violemment. Je lui devais deux ou trois jours. Normalement, je pouvais même faire une semaine. J'ai dit, maman, attends. Mais là, c'était un jour, deux jours. C'est comme si elle attendait une occasion. Elle dit, viens, tu sors de chez moi aujourd'hui. Je dis, mais je lavais les vêtements dehors. Tu sors de chez moi. Je dis, mais attends, maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis ta fille quand même. Même si je suis souvent un peu en retard, je n'ai jamais fait plus peut-être d'une semaine et tout ça. Et elle était en colère, d'une colère. J'ai eu, après que j'ai compris que la nuit, elle n'avait pas gagné la bataille parce qu'elle venait faire du mal. Et il fallait à tout prix que je sorte de chez elle. Donc, elle a commencé à faire les tours. Elle traverse le chemin, elle va de l'autre côté, elle va de l'autre. Elle a fait même 5 tours comme ça. Et au fur et à mesure qu'elle le faisait, c'était plus violent. À un temps, je l'ai vu venir. J'ai vu les traits. J'ai carrément vu, j'avais cru que j'ai vu ça seul, les traits des serpents
entre ses yeux, elle s'était transformée, elle faisait tout cette agitation, elle était agitée. Et franchement, dans tout ça, j'avais cru que j'avais mal vu. Jusqu'à ce que quelques mois, et là j'étais sortie, quelques mois, je reviens rendre visite à la voisine d'à côté, elle me dit, mais est-ce que tu sais que ses yeux étaient comme les yeux du serpent le jour-là? C'est après que j'ai dit, mais attends, ok, donc j'ai bien vu cette chose-là. Donc, elle vient, elle entre dans ma chambre, elle verse l'eau partout, les dépôts d'eau qui étaient là, elle verse, elle commence à faire sortir mes choses. Je bénis Dieu pour ce qui s'est passé. Je peux raconter maintenant, c'était pas facile. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé. Je me suis mise à pleurer. Je me suis agenouillée, j'ai pris mon front, j'ai mis par terre. J'ai dit, c'est toi que je sers. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as demandé que je sorte. C'est toi. Et tout ce qui est en train d'arriver, je ne peux pas me permettre de prendre un avocat. Tu es mon avocat. Là, je n'avais peut-être qu'un intérêt réuni 100 francs ou 125 à l'époque. Là où je suis là, je n'ai ni argent ni or, j'ai rien. Je n'ai que toi. Orpheline depuis, je n'ai que toi. Je me suis mise à pleurer, même si j'ai fait sortir les choses maintenant, j'irai où? Je n'ai que toi. Quand j'ai fermé la porte, il y a les enfants qui sont venus cogner, les enfants du quartier, parce que je me rappelle, il y a eu attroupement carrément. Je suis sortie, les enfants ont cogné, je suis sortie, et les enfants me disent, Tata, viens voir ce qui se passe. Quand je sors, les gens étaient attroupés, les gens étaient autour d'elle, en train de crier que « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai suivi certains voisins qui disaient « Vraiment, cette jeune fille qui nous prêche souvent l'évangile ici, vraiment, cette jeune fille est un enfant de Dieu. » Ça, c'est Dieu qui a frappé cette femme. Elle est sortie avec un balai en train de se taper partout. Elle disait « Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. » Elle est sortie, elle est allée du côté du goudron, elle a commencé à courir. Ses enfants l'ont suivie, elles l'ont ramenée à la maison. Elle a refait la même chose. Elle est sortie en se tapant « Laissez-moi tranquille, laissez-moi, laissez-moi tranquille et tout. » Elle est sortie, elle a couru, les enfants ont pris, on est venu, je pense qu'on l'avait attachée à la maison. On l'a ramenée au village. Et tout, quand je reviens après des mois voir la voisine et tout, comment. Elle me dit non, apparemment ses fils disent jusque-là, elle est au village, ça ne va pas. On a fait tous les traitements, ça ne va pas. Il faut seulement qu'elle confesse parce qu'elle a touché un enfant de Dieu. Il y avait un pasteur qui était derrière, qui était aussi avocat, que Dieu a utilisé comme ça. Allons faire le constat, il est venu, il a filmé, il est allé chez un huissier, c'est lui qui a payé sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Le Seigneur s'est occupé, ça m'a beaucoup encouragée dans ma vie avec lui. Ça montre qu'il était là, il est là et il prend soin de nous et sa présence, sa puissance est avec nous tous les jours. La chanson que je vais faire tout à l'heure, appelée Mabile Mabba, Mabile Mabba qui est en bassa, qui veut juste dire où serais-je maintenant si Dieu n'avait pas intervenu dans ma vie. Donc c'est cette chanson. Ninye, yosona ibe ikere duru, hey, ikere mako. Mabi kale, insang me wolo bile. Mena ndurulana, ndurulana, oh, mebi barbale, ajob ki membo munukong isi, inyoki, meye metama, mebile meba, Wog murna no bale joba tiwme mahanwe mebile meba Wog murna no bale joba tiwme mahanwe mebile meba Wog murna no bale joba tiwme mahanwe Merci beaucoup. Déjà,
Je profite de cette occasion pour dire que, pour encourager déjà ceux qui sont dans le Seigneur, de continuer de poursuivre le chemin, de continuer la bataille, parce que nous sommes sur une bataille en cette saison, de continuer à avoir une relation avec Dieu, de vivre Christ tous les jours dans leur vie. Je dis à ceux qui ont refroidi, ont un peu rétrogradé, si je peux dire ça comme ça, de revenir rapidement au Seigneur parce que les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. C'est pas facile, on peut le dire, de servir le Seigneur, mais par sa grâce, par son Saint-Esprit, c'est possible de servir le Seigneur par la force qu'il nous donne d'avancer tous les jours. Que ceux qui ont refroidi, que ceux qui se sont un peu éloignés de la présence de Dieu reviennent à Christ, parce que c'est important en cette saison. Ceux qui n'ont pas encore remis leur vie au Seigneur, c'est un appel ce jour-ci. Je dis, mon frère, remets ta vie au Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, les temps sont mauvais. Jésus annonce son arrivée dans presque toutes les nations, dans presque toutes ces églises dans le monde, à tous ses enfants dans le monde. Le temps, c'est maintenant. Il est en chemin. Il est sur le point, la dernière trompette est sur le point de sonner. C'est le temps, il est en train de regrouper ses troupes. Il est en train de se susciter une armée. C'est le temps maintenant de remettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la, c'est pas une solution ou l'une des solutions. C'est la solution. C'est vraiment la solution pour nous en cette saison et pour notre génération. Au travers de tout ce qui est en train de se passer là-dehors, le diable sait. Pour ceux qui ont les yeux, même pour voir l'oreille spirituelle, ou pour sentir les choses, Jésus disait, même le climat, même tout ce qui nous entoure, même quand une pluie veut tomber, on sait que la pluie va bientôt tomber. Il y a l'atmosphère qui change. Il dit, si seulement dans cette nature, si la nature peut déjà nous enseigner, combien à plus forte raison. Donc, rapprochons-nous de Christ. C'est la seule solution en cette saison-ci. Revenons à Christ. Le diable sait. C'est pour ça qu'il y a tout ce mal qu'il y a maintenant là-dehors. Le diable sait que c'est ça, c'est la dernière ligne droite pour lui. Il sait que c'est les dernières minutes pour lui. Donc, il veut à tout prix, au maximum, amener un grand nombre en enfer. Donc, je dis, mais au travers de tout ce qui nous arrive, la façon dont les gens meurent comme des chiens, la façon de ces crimes rituels, même à l'église, la façon dont l'église est divisée, ces derniers temps, c'est pas bon signe. Je voudrais dire à mes frères aussi, l'ennemi nous divise pour mieux régner. Il sait qu'il y a une église qui est divisée, elle n'est pas forte, elle est faible. Et c'est la dernière bataille, c'est la dernière ligne droite pour nous tous. Et lorsque nous sommes dans cette attitude, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous. Des fois, nous sommes dans des fausses divisions, des faux combats, que lorsque le vrai combat de la vie ou des épreuves que Dieu mettra sur nous viendront, ces épreuves viendront. Nous ne serons pas assez forts pour les épreuves ou bien pour le combat même que Dieu a prévu pour nous dans les saisons de nos vies. Donc, dire à mes frères, ne perdons pas le temps pour des vaines choses, commérages, sabotage à l'église, ou bien soyons sensibles, laissons le Saint-Esprit faire son travail dans nos vies ces derniers temps. Et je crois qu'on aura la totale victoire en Jésus-Christ. Vous avez suivi avec nous ce témoignage. Témoignage poignant, témoignage tragique de la sœur Marie Lissom. Notre prière est que ce témoignage vous édifie et vous encourage à marcher avec le Seigneur ou à donner votre vie au Seigneur. Et notre prière est que ce témoignage vous encourage à marcher avec le Seigneur ou encore à lui confier votre vie si vous ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que le Seigneur peut faire. Il l'a fait pour Marie Lissom, il peut le faire pour vous. Nous disons également merci à notre réalisation Jeff Vondor, à notre ingénieur de son Sorel Owona et à toute l'équipe de production derrière. Et si vous aussi vous avez un témoignage, vous voulez faire la promotion du royaume des cieux,
vous voulez dire ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie et dans la vie de votre entourage, il vous suffit tout juste de contacter l'un des numéros qui s'affiche au bas de l'écran. Bonne suite de programme sur la Glorica Channel. La gloire à votre portée. Shalom. Lingwangje hongole ampa Olo lo 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 Ngoyong iberbang wenge mawanda ho ya bangle uibe yani wenu hongolingwang lingchingui wenu hongolingwang lingchimoni Moni tonu angwe lingwanga no mejo a lingwang jongli atabe yu atama hola berba ayo esuni bu keriara omera wa bana salang ning bolo joba ga kunde he a joba ga kunde he a joba ga kunde he a Yeah.